Villa Refuge le ntosi oyona be Sierre le abloti du si oyona be Suisse lama zibato ye afonya ka Suisse duma vomanya be du si ahonko le wochi wowoma ye oblona cho ame si nɔna game dzi la ŋuti be ele game dzi alo ele gbe dzi alo ele klalo abe Suisse dumetɔwo ƒe wɔtsi ene. Suisse du la gaxɔ ŋkɔ tso asitɔtrɔ le kakawo ŋuti. Wotsɔna eƒe wɔ wɔna nuɖuɖu nyiame aɖe si woyɔ le yovo gbeme be chocolat. Suisse nye etodu. Aƒe, dɔwɔƒe alo amenɔƒewo lia to kaka tsɔ yi ɖe etame. Nenemake ye wogale balime alo ʋeme ye ma. Metsi atsitre le flɛse gbɔ le dua me kpɔm. Nukeke ve sɔŋ ye nye sia meɖo Sierre du la me. Le fesre la gbɔ la, susu nye ɖebla lia eƒe kɔkɔ la. Metɔ te le susu me le toa ƒe tame ke ɖaa. Metso lilikpowo ƒe mɔ yina ɖaa. Mele ŋugble dem. Medo go le ɖokuinye me. Mezu yaƒoƒo si yi afi si gado yi afi kemɛ. Avuvɔ le vɔ tamesusu nye wo xɔ zi le woasi. Tete xevi aɖe ƒe gbeɖiɖi kɔ ŋgbɔ va. Edzi ŋkɔ fu pɛpɛpɛpɛ. Lilikpowo sɔgbɔ. Ɖo ŋusẽ wɔe be to kɔkɔ la tutuna alo dzena sue ɖe ko. Ati ame eve le fesre nye gbɔ. Wo ame evea mesɔ o. Asiwo pɛtɛ mesɔ o. Ɖeka do amagbe mumu si triakɔ. Eɖe alɔgawo kple atsɔɖoɖo. Velia ƒe amakpawo ƒu hle xoxoxo wɔe be atia zu ta kokorikotɔ. Atia zu ta kokorikotɔ. Nye meŋa le flɛsia to o. Megale ŋku ɖe atia ŋu eye mede dzesi be edze amakpatoto gɔme. Ŋku fluna amegbetɔ ya ɖewo yi nyateƒe ye wònye. Ŋku kpɔna nu vɔ la ehiã be ga ɖewo mea woado dali nɛ woake blibo. Ale xixea ƒe nuwo ƒoƒu hafi woakpɔe. Nya sia nye gɔmeɖokpe vevie ne Sierre dume si me va.
Ame ɖokui me yiyi ne aɖaŋu deto woe le eme va ge le Villa Rufio le Chateau Mercier ƒe kpa gã la me. Fifia ma yi edzi le asegbe me. C'est la toute première fois que je viens en Suisse. C'est un pays connu pour sa montre, la montre suisse, ou encore le chocolat. L'expression « être réglé comme une horloge suisse » me vient à l'esprit. Cette horloge sous-tend un mécanisme qui fonctionne avec précision. Je suis dans ma chambre. 2 jours que je suis ici. 2 nuits où j'ai cherché mes repères, réadapté mon sommeil. 2 jours où mon corps refait sens avec ce climat qui ne m'est pas tout à fait inconnu, mais qui à chaque résidence n'est pas tout à fait le même ni tout à fait un autre. La région est montagneuse. Les flancs de la montagne sont parés de maisons jusqu'au sommet enneigé. Debout à ma fenêtre, le regard plongé dans cette vallée qui tricote l'harmonie d'une habitation à l'autre, d'une rue à l'autre, mon esprit s'échappe, prend ses aises. Dévale la montagne de pierre. Déjà, depuis mon moi profond, je me vois debout au sommet de cette montagne. Je m'élève, je tutoie les nuages, je deviens air, je suis vent. Quelle émanation! Mes pensées donnent armure à mon corps, et mon corps devenu un manteau sourit avec démesure au froid. Aussitôt, un chant d'oiseau résonne jusqu'à moi. Le ciel est blanc et les nuages effacent à vue d'homme un flanc de la montagne. Près de ma fenêtre, 2 arbres. L'un plus ancien garde ses feuilles vertes. L'autre montre ses branches hivernales, édentées de verdure. Je ne bouge pas de ma fenêtre. J'observe encore l'arbre chauve et je me rends compte de quelques détails qui m'avaient échappé. Un discret bourgeonnement naît sur les branches de l'édenté. C'est un fait avéré. L'œil ne voit pas tout au premier regard. Il lui faut le temps de la connaissance pour une meilleure reconnaissance. Ceci pour une accommodation réussie. C'est aussi cela le sens de mon séjour ici, à Sierre, dans la Villa Rufieux, au sein du Château Mercier. Merci.